Hello les gens, c'est Lozolog, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Skyblock et j'ai beaucoup 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 avancé depuis, puisque comme vous allez le voir dans quelques secondes, boum, voilà, nous avons, enfin j'ai du coup pour l'instant commencé à construire un petit pattern de maison. Voilà, j'ai pas mal coupé de bois, mais j'ai eu un problème avec ce type de bois là et ainsi qu'avec celui de la jungle, ça s'est arrêté. Du coup j'ai un peu arrêté d'en planter et tout, mais il m'en reste un petit peu je crois, ouais vite fait quoi. J'ai déjà construit un petit pattern de maison, c'est déjà sympa. Je verrai qu'est-ce que je pourrais faire pour le reste, mais bon ça c'est pas grave. Du coup ouais, j'ai pas mal avancé là-dessus. Je me suis fait beaucoup de cobblestone que j'ai ensuite fait cuire. Voilà, donc j'ai fait un assez gros, enfin une assez grosse ellipse, voilà. J'ai pas voulu mettre la création du pattern parce que j'ai pas mal galéré de toute façon. Fallait que je trouve un truc assez sympa en même temps. Donc du coup ouais, voilà, je vous retrouve maintenant. J'ai aussi, comme vous avez dû le voir, enfin peut-être vous avez pu le voir en tout cas, j'ai acheté une autre vache, voilà. Donc pour les 200, j'étais très 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 content parce que ça va me permettre de me procurer de la nourriture. Une fois que j'en aurai un petit peu plus, j'ai mes plantations qui commencent pas mal à pousser également. Donc tout commence à bien se dessiner là-dessus. Donc c'est cool, franchement les gens, c'est cool, on va pouvoir bien s'améliorer. Je vais toujours continuer mon commerce avec, enfin mon commerce non, c'est pas vraiment un commerce, mais comment dire, mon marché avec ce spruce wood là. J'en vais avoir des tonnes et des tonnes. Voilà, je m'étais acheté des carottes, enfin je sais pas si c'était dans cet épisode là, mais je me suis acheté des carottes, donc c'était peut-être dans l'épisode dernier déjà, je sais plus. Mais il me reste encore un petit peu à manger, donc je vais finir, voilà, super. Enfin non, pas super, parce que du coup il me reste plus. Je vais regarder un petit peu tout ce qui est money, économie, il me reste 0 zécone, quoi, j'étais vraiment allé pile le truc. J'ai farmé un petit peu la vente du wood pour me faire l'argent, voilà. Mais du coup voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que je me suis acheté un petit peu de fer avec. On va se faire une nouvelle pioche sans plus tarder. Il me faudra encore un petit peu de cobblestone je pense, parce que là c'est un peu la dèche. J'ai commencé du coup les patterns, je vais mettre des vitres ici, tiens je vais le faire maintenant. Donc il y a moyen de bien s'améliorer les gens, je pense. On va voir ce que ça va donner, mais il y a moyen de bien s'améliorer. J'espère en tout cas qu'on va bien s'améliorer. Hop, j'avais prévu de mettre la porte ici par ailleurs si vous vous demandez. Hop, donc ici j'avais pas trouvé un moyen de pouvoir les mettre parce que sinon voilà ce que ça me donnait. Donc du coup je bouche tout simplement, c'est pas grave, mais ça fait quand même un petit peu pas chier, mais c'est un petit peu dommage quand même de cacher ça là dessus mais bon écoutez hein, on fait avec. On va essayer de tout placer déjà de la manière que je le souhaitais. Donc, voilà. Ici, on va placer ça. Donc je pense que vous y comprenez pas trop grand chose encore à la maison, mais rassurez-vous, moi non plus. Donc ça va. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire. On verra bien sur quoi ça débouche. Mais bon, moi, si vous ne comprenez pas, on est deux. On va continuer de meubler tout ça. On va se faire quelque chose, bah tiens, avec notre fameuse spruce wood, là. Donc, hop, on va se crafter des seeds. Pourquoi j'en crafte? C'est parce qu'il m'en faut beaucoup pour faire un achievement. Donc, du coup, j'en crafte dès que ça pousse ici. Ça devrait être bientôt bon. C'est nickel parce que je vais avoir besoin de bouffe bientôt. Je commence un petit peu à caler au niveau de la bouffe. Donc ouais, il m'en faudra. Hop, ici on va tout casser. Hop. Voilà. Ok. Bon, ça commence à avoir de la gueule. Faut que je plante les cactus. Non, j'y paie du sable, mais... Ouais, mince, c'est vrai, il va me falloir du sable. Je sais plus comment j'ai réussi à paumer l'ancien, mais
Ouais, il va me falloir du sable pour planter le cactus. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard, les gens. On n'est pas là que pour planter un cactus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. On a quand même pas mal d'autres choses à faire, y compris avancer l'île. Et du coup, cette petite maison que j'ai commencée. Hop, on va aller voir auprès de notre générateur. Histoire de se faire un petit peu de tout ça. Donc j'aurai besoin surtout d'escalier, je pense, là, pour l'instant. Est-ce que j'ai déjà placé mes vitres? Oui, c'est bien. Oh là, il y a beaucoup de gens qui... Oh là, que se passe-t-il? Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à join. Alors, en tout cas, on va tout placer ici. Donc, voilà. Il nous manque encore un tout petit peu de machin. On continue. Donc apparemment il y a un évat, mais bon, ça va aller. On va continuer de peinard, mais on va rester ici. Voilà. On va continuer notre petite maison au calme de notre côté. Oh, bah tiens, j'ai. Vous venez de recevoir. Ah, merci. Ah, apparemment il y a un event, donc bah ok, bah merci. Oula, ça se spamme pas mal. Bon, c'est cool, on a gagné un petit truc. Je m'y attendais pas trop. Ok, on essaiera d'aller voir. Je pense que c'est des clés qui s'obtiennent de base en votant, donc ouais, pourquoi pas. C'est sympa. Que se passe-t-il? Ouais, du coup, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Est-ce qu'on mange le pain? Ah, je sais pas, j'ai envie de me manger le pain, mais en même temps, j'en ai besoin, quoi. C'est ça le problème. Donc, je sais pas. On peut voir. Tiens, le guide, il peut pas me donner un petit peu, genre de. Ah, de. Comment ça s'appelle? De nourriture, ce serait bien sympa pour le coup. Parce que la nourriture, là, je suis un petit peu en manque. Bon, au pire, je vais manger les melons, vous savez quoi? C'est pas grave pour les graines. On va faire un petit mange, un petit break maison. Et on va placer notre pain là-dedans. Alors du coup, on va aller au spawn pour voir. Ah, la vache a grandi. Yes. On va aller au spawn, donc je disais, pour voir comment on peut se faire notre fameux. Enfin, comment ouvrir nos clés là, les fameuses clés. Oh là, il y a beaucoup de gens. C'est ici, je crois. Ouais, non, c'est pas ici. Clé magique, ça doit être ici, je pense. Alors, du coup, on va aller sur ça. Hop là. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Waouh! Ok, donc les gens, juste un peu. Enfin, je vous retrouve ici parce qu'apparemment, on a gagné quand même pas mal de stuff là. On vient de gagner donc. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, l'or et tout ça, j'ai pas trop envie de les avoir. Diamant aussi. Mais. Tout ce qui est ça, ouais, ça m'intéresse pas mal. Piège en diams non plus, j'ai pas envie d'être trop OP dès le début. Mais tout ce qui est... Ouais, ça c'est sympa, ça c'est sympa. Ça va me permettre d'avoir pas mal de trucs. Grass block aussi, j'ai jeté la moitié. Voilà, j'en gardais 8 pour pas être trop OP, les gens. J'ai pas envie de m'OP trop trop vite. Voilà, quoi, je préfère rester réglo. Mais par contre, je pas de bouffe. Ça, je garde, ça je garde, les gens. Et il nous reste encore des yazaklés, donc on va faire. Est-ce qu'on peut faire slashback? Oui, on peut faire slashback. Donc on va continuer d'ouvrir ça. On va voir un petit peu ce qu'on a. Ok, d'accord, merci. On va faire slash spawn du coup. Attendre avant la prochaine téléportation, on va devoir attendre un petit peu de temps. Ouais, bon, c'est sympa la bouche, c'est sympa. Le reste, j'ai pas trop trop, comme j'ai envie de vous les. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop trop envie de les avoir. Donc on va les laisser là tranquille. Pour d'autres gens peut-être. J'ai pas envie de trop m'opé dès le début. Donc voilà quoi. On va rester un petit peu dans le mode réglo. Hop. Voilà. On va finaliser notre maison, nous, de notre côté. Toc. Ici, est-ce qu'on pourrait pas se placer? Non, je veux pas se placer de la glace ici. On va se placer ça comme ça, de ce côté-là. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon, on va se faire une spruce porte là. Je sais pas comment ça s'appelle. Hop.
Voilà, nickel. Spruce Dove. Ok. On va placer ça là. Et on va aller donc faire slash spawn. Voilà les gens, on se retrouve donc au spawn. Les clés, c'était où? C'était où? Pas ici, c'est ici. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous donne. J'ai pas envie que ça donne encore des trucs trop OP. Donc si c'est trop OP, on jette. Un beacon, ouais, je prends. Un seau, 5 seaux d'eau. Il y en a un. Ouais. Bon, c'est bien. Honnêtement, c'est pas trop OP. C'est sympa. Je prends. Je prends, je prends. Donc on va aller faire slash yes. Hop. Voilà, super. Donc, ouais, ouais, ouais. Comment on pourrait faire après pour faire notre beacon? Faudra faire une... Ah, je sais pas si on peut faire des usines genre Iron Golem et tout, je sais pas. Faudrait voir. Parce que ça, ça bouffe pas mal de perf sur le serveur, je pense quand même. Donc, faudra voir. Donc, ouais. Le beacon à utiliser plus tard, je ne sais quand. Il nous faudra beaucoup de fer pour ça, c'est ça le problème. Donc, ça, ça équivaut à beaucoup d'argent. Est-ce qu'on a de l'argent? Tiens, d'ailleurs. Zéro, yes, ok, c'est toujours. L'équipe du pauvre, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va venir. Je suis confiant là-dessus. On peut y arriver. Donc du coup, on a notre maison qui commence un petit peu à se dessiner, ça c'est cool. Si je pouvais me faire une salle des coffres, ce serait grave cool. Donc comment je vais faire ça? On va ouvrir là. Hop, on va placer un seau d'eau. Et on va descendre en mode exploration. Ok. Alors c'est complexe, hein. C'est très complexe. Je ne le nie pas. Hop. Voilà, donc pour faire une salle des coffres, on va faire ça. Petit truc sympa qui pendouille à côté du vide. Hop. On va le faire descendre encore un petit peu, histoire de pouvoir avoir un plafond correct. Voilà, et pourquoi pas en dessous une ferme à champignons aussi, ça pourrait être nice. Voilà, on prévoit déjà tout. Comment on va organiser ça? Alors, 1. Donc, attendez. 1, 1 et demi. Enfin, non, il y a 1 et demi du coup ici de hauteur. Ouais, je vais rabaisser. Ça, aux hauteurs normales, ça c'est complexe. Hein. C'est du truc complexe. Voilà, ok. Donc, 1, 2, 3. On se met un truc ici. Et du coup, normalement, on a 3 d'espace de toit. Non, on s'est gouré. Enfin, je me suis gouré en l'occurrence, pas vous. Hop. Voilà, super. Et du coup, on va pouvoir placer notre cobble comme ceci. Il y a encore un guillot. Putain, ça continue. Alors, hop, on descend encore un petit peu dans les méandres de cette chose. Hop. Et on vient... Là, c'est ça comme dernier truc, je pense. Et on est tranquille, là, du coup. On est censé être tranquille, je pense. Pour un bon moment, en tout cas. Avec un petit souterrain. Donc ça, ça va être la salle de coffre. Enfin, la salle des coffres, plutôt, parce qu'il ne va pas y en avoir qu'un. Je pense que vous vous en doutez plutôt bien. Hop, on va bien torcher l'avenue comme ça. Tac. Voilà, et là on aura une belle salle des coffres, ça ça va être cool. Ah ça ça va être très 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 cool. Donc on va encore aller chercher des ressources. Hop. On récupère ça. Touk. On va prendre ça. Hop. Donc on a encore un seau d'eau, du coup ouais ça c'est bizarre, c'est toujours sympa à voir. On va se faire des échelles, voilà c'est ce que je cherchais à me faire, hop, pour pouvoir donner un accès donc à ces souterrains qu'on vient de construire. Hop, on va passer ici, donc wow, j'ai failli tomber dans le vide. Est-ce qu'on en parle? Est-ce que on en parle? Voilà, hop, 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 et on met ça jusqu'ici. Alors j'ai des doutes sur ma descente jusqu'en bas, donc on va placer des blocs. Voilà, comme ça on est tranquille. On se ramasse pas la gueule et on tombe pas dans le vide. Ça peut nous aider. Hop, voilà.
Donc ici pour l'instant on va mettre deux lumières parce que pour l'instant on n'a pas encore pensé à mettre les champignons, mais après une fois qu'il y aura des champignons, bah du coup on va enlever les lumières pour qu'ils puissent pousser dans le calme et la bonne humeur. Tout simplement. Hop. Donc on va continuer notre machin de notre côté. Tac. Et tac. On va encore faire un petit peu plus grand. Hop là. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va donc faire un toit. Comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. Comment je vais organiser ça? Comment organiser ça? Je sais pas trop encore, mais on verra bien de toute façon après. On a encore du temps pour étudier ça. On va déjà placer les bases des fondations. Histoire d'être tranquille là-dessus. Ici on va. Ah, ça fera pas beau, hein, ce sera pas très homogène. Bon, on verra déjà ce que ça donne pour un début. Pour l'instant, c'est pas hyper homogène. Faudra essayer d'améliorer ça un peu. Ouais, faudra essayer de passer ici aussi. Mais ça va être compliqué. Ça fait beaucoup de choses à faire. Que je pense qu'on va faire un petit peu dans des futurs épisodes. J'ai essayé déjà de récolter toutes les ressources pour pouvoir faire ces choses. Hop, voilà. On va récolter tout ça. Est-ce que ça m'a drop une graine? Ça m'a même pas drop de graines. Ah, ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout ça parce que j'ai plus de graines. Ça va me poser problème ça. J'ai plus de graines à déplacer. Aïe. C'est complexe. Bon, écoutez, je pense qu'on va se laisser un petit peu là-dessus pour cet épisode. On a déjà fait pas mal de choses déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser tout ça un peu là. Et puis ici ferme notre ferme à champignons. Donc ici ça va être les coffres, comme vous l'aurez compris, ça va être organisé de cette manière. On va peut-être déjà se faire les coffres même. Je pense que j'ai moyen de les faire. Je vais faire une table de craft aussi avec. Qu'on va placer ici. Toc. Voilà. On va se crafter beaucoup de coffres déjà. Hop. Et on va les placer donc. Ici, est-ce qu'on peut faire 3? Ouais, nickel. Nickel. Ok, superbe. On a moyen de se faire une sacrée salle au coffre, hein, les gens. Là, on a moyen de carburer au niveau des coffres. Donc, ça, c'est vachement sympa. Hop. Bah, que rajouter d'autre? Rien. Donc moi les gens, je vous souhaite de bien vous porter, de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à liker et à partager la vidéo avec vos amis, ça me ferait extrêmement plaisir et ça ferait avancer la chaîne. On est déjà 6000, même plus hein, déjà. Donc vraiment un énorme merci à vous pour tout ça. Et puis bah, du coup moi je vous laisse les gens, c'était Léo Zelec, on se retrouve pour un autre épisode donc de Skyblock très très bientôt, l'IP du serve est en desk pour les intéresser et puis bah du coup moi je vous dis ciao.